Et salut à tous, allez, on se retrouve pour cette nouvelle course des nations. Cette fois, c'est sur le circuit de Fuji International Speedway à bord de la Porsche 911 que ça se passe. Et c'est parti! Une toute petite introduction, juste pour vous dire que j'ai encore fait mon Pierre Richard. Ouais. Et j'ai oublié d'enregistrer ma voix pendant la course. Alors tout ce que j'ai dit lors de la course, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai les sons moteurs, ça change de la dernière fois, ce qui est plutôt positif. Ensuite, je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé pendant les qualifications. Les qualifications ont été très difficiles. Pourtant, j'avais vraiment travaillé le circuit. J'ai travaillé plus d'une heure et demie sur le circuit à bord de la 911. J'arrivais à faire des temps plutôt corrects, même des temps plus bas que ceux qui sont sortis lors des qualifications. Mais malheureusement, je me suis retrouvé devant un Espagnol qui voulait pas lâcher l'affaire et pas me laisser passer. Et du coup, moi, j'ai réussi à le doubler, mais très très mal. Et je suis parti contre la rambarde. De ce fait, je me suis retrouvé avec la voiture abîmée. J'ai pas pu faire un temps correct. Devant moi, à chaque fois, il y avait quelqu'un. Et même avec la voiture abîmée, je pouvais faire mieux. Et je n'y suis pas arrivé. Du coup, je pars 13e. Et vous allez voir, la course, elle est très viril, mais je sais très bien ce qui se passe, c'est qu'en fait avec ces voitures là, c'est une N500, c'est très difficile à piloter. Du coup, même si j'y arrivais quand même à la piloter, cette voiture, c'est sans compter sur les autres, et vous allez voir, et toutes les erreurs qu'on peut commettre, elles ont été commises par un petit peu tout le monde durant la course. Du coup, ça a donné des courses viriles, des courses accidentogènes, avec des drifts de tous les côtés. C'est vraiment une course assez bizarre. Je pense que là, Polyphonie, faire 33 sur l'usure des pneus x 33, je pense que c'est un petit peu énorme. Donc je vous laisse la course, vous allez voir, elle est en silence. C'est à peu près, de toute manière, c'est comme ça que je l'ai vécu, en silence. Je très très surpris, vous allez voir, il va m'en arriver des vertes et des pas mûres tout le long de la course. Moi, je vous laisse avec la course, tout de suite, donc sans moi, sans mes conneries que je peux débiter lors d'une course. Ça changera un petit peu, vous aurez le son moteur et j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo. Moi, je vous dis au revoir, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas les pouces et n'oubliez pas les abonnements si ça vous intéresse et que vous voulez en voir encore. Allez, je vous laisse avec la course, c'est parti.